il y a deux, trois signes identitaires puissants et forts, même si ils sont contestés, enfin, même s'ils sont bousculés par la globalisation ou la colonisation, c'est le lien à la terre, la case, qui est d'ailleurs un symbole qui est repris dans le drapeau de la République provisoire du gouvernement de Kanaky. Parce que la case, c'est le lieu où les gens vivent, mais c'est le symbole du pays Kanak. Et puis, la langue, et je dirais deux autres points forts, c'est l'igname et les systèmes des échanges. Tout ça, c'est ce qui singularise les Mélanésiens Nouvelle-Calédonie qu'on appelle Kanak par rapport aux autres Mélanésiens de l'archipel, des autres archipels du Pacifique. Mais bon, c'est compliqué parce que ces signes-là, ces symboles, ils sont en mutation, ils sont remis en question par l'urbanisme, par l'économie, et puis par pas mal de choses. Pas racontée, elle est attestée, et, elle est racontée par des poteries. C'est-à-dire qu'on fait parler des poteries. Il y a une poterie qu'on trouve dans tout le Pacifique qui s'appelle la poterie, d'ailleurs, qui a un nom de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle la poterie Lapita, qui est un nom qui vient de Kone, mais qu'on trouve dans tout le Pacifique au même moment, c'est-à-dire moins 3000 ans, à peu près dispersé dans tout le Pacifique, et qui retrace les peuplements des archipels, et notamment le peuplement de la Nouvelle-Calédonie. Les premières traces humaines ici datent de moins 3500 ans, à peu près. Et ce n'était pas exactement les Mélanésiens, ce n'était pas des Kanaks, c'était toutes les populations qu'on appelle austronésiennes qui venaient originaires du sud-est de Taïwan et qui ont navigué, qui ont voyagé, qui ont peuplé l'archipel, la Nouvelle-Calédonie. Après, bon, y a eu le processus d'enracinement et les ancêtres du peuple Kanak, c'est ceux qui sont devenus les Austronésiens qui se sont convertis, pas convertis au sens religieux, mais transformés avec la durée en ce qu'on appelle aujourd'hui les Mélanésiens. Et encore, ce mot Mélanésien, c'est un mot qui a été inventé par Dumont d'Urville, un géographe français, et qui est l'ancêtre de l'actuel peuple Kanak. Donc c'est vrai que le premier peuple autochtone, il est le peuple Kanak, mais lui-même a une histoire qui est plurielle et différenciée. Si vous voulez, les Austronésiens, ce n'était pas que les Kanaks d'aujourd'hui. Il y a des Polynésiens, Mélanésiens, et ils sont devenus peuple Kanak à partir de 1000 ans, et surtout avec le rapport de force coloniale, comme dans tous les peuples classiques. Il faut dire que c'est très difficile à dire exactement comment fonctionnent les organisations sociales, pour deux raisons. La première, c'est que ce dont on en sait, c'est par des lobes. Et il y a deux sources de communication par l'homme, c'est soit l'oral, soit l'écrit. Et les récits oraux que les peuples autochtones ont transmis, la probabilité, c'est le 18e siècle, hein, ce qu'on a pu collecter. Ensuite, la deuxième difficulté vient du fait que les organisations sociales, il y a de fortes hypothèses qu'elles se sont modifiées dans le temps. Les sociétés kanaks que nous connaissons aujourd'hui, au 21e siècle, elle se rapproche probablement de celle qu'il y avait au 18e, 19e, mais certains ethnologues, notamment des ethnologues kanaks, disent qu'il y a eu des transformations des sociétés, notamment le modèle des chefferies. Mais dans les grandes lignes, on peut supposer qu'il existait avant le système capitaliste des échanges ici. Des échanges qui se faisaient par grands cycles. Les gens des îles Loyauté échangeaient avec les gens de la Grande Terre. Et ce qu'il faut entendre par échange, ce n'est pas simplement un système de troc, c'est un système économique où, par exemple, il y avait des mariages qui se faisaient au sens des mariages de parenté collectifs, des échanges de femmes contre des savoir-faire, par exemple, des richesses qui existaient dans les îles Loyauté, eh bien, étaient échangées avec les richesses des gens de la Grande Terre. Donc, il y avait des systèmes d'échange et qui ont été perturbés, cassés avec la colonisation, avec la prise de possession de l'archipel par la France en 1853.
Grosso modo, il y avait des grandes lignes qu'on peut retrouver encore maintenant, des échanges qui se faisaient sur la durée, notamment avec des monnaies, enfin des monnaies canaques, des échanges qui tissaient des rapports sociaux, des rapports de production de liens sociaux, et des échanges qui aussi qui permettaient la pluralité des langues, le lien avec les langues qui étaient parlées. C'était pas la langue française ou la langue anglaise. Donc il y avait des systèmes d'échange qui obéissaient à des règles et qui ne correspondent pas du tout aux règles du système de l'économie de profit ou capitaliste. Aujourd'hui, ces systèmes d'échange existent encore, mais ils se sont beaucoup modifiés. Mais ils existent encore. Really? Le premier changement qui est apparu, c'est avec les premiers centaliers qui sont arrivés, qui ont fait du troc. Il est dit, il est attesté que ce qu'on appelle les beachcombers, les écumeurs de mer, venaient prendre des biches de mer ici pour les vendre en Asie, parce que c'était une denrée qui était très demandée par les Asiatiques. Donc les premiers contacts ont été faits par des aventuriers, des Américains, des Anglais, qui sont venus côtoyer l'archipel et qui ont fait du troc. Donc le premier contact a été fait par le troc économique, avec bien sûr des escroqueries. Ensuite, la deuxième mutation s'est faite avec la religion. La religion elle joue et a joué encore un rôle extrêmement important, notamment dans le rapport à l'écrit. C'est-à-dire que pour mieux évangéliser, pour mieux acculturer les populations autochtones, certains missionnaires ont commencé à apprendre les langues et ont traduit les textes évangéliques dans les langues autochtones. D'ailleurs, il y avait une stratégie de la part des missionnaires. Les premiers qui sont arrivés à Lifou, Maré ou Véan, ils sont fait venir des autres Océaniens qui venaient d'autres archipels. Ils les envoyaient un petit peu en bouc émissaire pour tester, pour voir le terrain, parce qu'un travail d'approche. Donc, les stratégies des missionnaires, c'était de convertir les autochtones en traduisant les textes religieux dans les langues. Donc là, il y a déjà une modification qui va s'instituer. Puis après, c'est le rapport marchand. C'est le capitalisme qui modifie complètement tout. Alors ici, avec le nickel, la colonie du bagne, qui a entraîné avec elle, autour d'elle, les propriétés extensives de bovins, les spoliations foncières, qui ont déstabilisé complètement les institutions kanak. On vole les terres des autochtones et on les regroupe dans des réserves qui sont les actuelles tribus. Ça a complètement déstabilisé. Et puis les révoltes qui ont été matées en 1878, 1917, qui ont été matées, qui ont accentué ce que la pacification blanche, c'est-à-dire qui a complètement laminé les institutions kanak, même s'il en subsiste, même si elles se sont transformées. Donc tous ces facteurs-là ont complètement créé des traumatismes et des processus de transformation radicale. Jusqu'à maintenant. Parce que le 21e siècle, avec la globalisation, les usines qui se mettent en place, dans le nord, dans le sud, ça crée quand même des bouleversements économiques considérables. Il faut être radical. Toutes les cultures dominantes qui ont dominé les cultures ont créé un droit. Que ce soit en Espagne, l'Espagne avec le Portugal avec l'Amérique latine, la France avec ses colonies. Donc elle a institué, la France, un régime de l'indigénat, des catégories juridico-politiques, et elle a taillé sur mesure des espaces institutionnels et juridiques. Et dans ces espaces qui ont été taillés par la juridiction occidentale, il y a ces concepts administratifs de petits chefs, des grands chefs, même de tribus, qui sont des concepts qui n'existaient pas, pour mieux avoir des interlocuteurs. Par exemple, la propriété collective n'existait pas dans le monde kanak. Ça a été taillé sur mesure pour mieux asseoir un espace politique construit de toutes pièces par le système colonial. Ça, c'est une première chose. Par exemple, les systèmes ce qu'on appelle les chefferies, qui prêtent ambiguïté. Les pouvoirs ou les souverainetés qui existent dans le système kanak, c'est un système d'équilibre entre des autochtones, des lignages, des groupes autochtones qui accueillent des autres groupes qu'on appelle clans, enfin, en termes occidentaux,
et à qui on confère des autorités, des pouvoirs, ce qu'on appelle les chefferies. Donc la chefferie, ce n'est pas une souveraineté verticale de quelqu'un qui est au-dessus, qui commande à des sujets. C'est un équilibre de rapport politique qui concerne l'ensemble de l'organigramme de la société. La chefferie, elle est conférée par des groupes de manière stratégique pour mieux le contrôler. Ce qui est assez compliqué et paradoxal à comprendre. Ceci étant dit, qu'est-ce qui est compliqué? Ce qui est compliqué, c'est que les gens, y compris le peuple kanak, ne sont pas passifs. Quand il y a un système qui vient de l'extérieur, stratégiquement, ils jouent avec. Ils s'apparent des règles, ils s'y approprient et ils s'y accaparent. Really? Donc, par exemple, je vais prendre deux éléments très concrets. La robe mission. La robe mission, c'est quelque chose qui a été institué par le régime religieux pour instituer la pudeur, créer la pudeur chez la femme. De telle sorte qu'elle s'habille avec une robe mission. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la robe mission, c'est un symbole identitaire des femmes kanaks. C'est-à-dire qu'il y a une transformation dans la durée, dans le temps. Je vais prendre trois exemples. Le premier, la robe mission. Deuxième exemple, le mot kanak. Le mot kanak n'est pas un mot qui fait partie des langues d'ici. C'est un mot de la langue hawaï, qui veut dire kanaka, tanaka, qui veut dire homme. C'était une injure raciste, qui a après été exclusivement choisie pour désigner le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, le peuple autochtone mélanésien. C'était une injure raciste qu'on trouve dans le Capitaine Haddock, dans Tintin, la bande dessinée. Chez les Allemands, Kanak, c'est l'injure suprême. Donc c'était une injure raciste, mais qu'est-ce qu'on fait le peuple autochtone? Ils se sont appropriés ce mot extérieur, étranger, injurieux. Ils se sont appropriés et ils s'en sont servis comme symbole identitaire fort, à un tel point qu'on maintenant on dit le peuple Kanak et on revendique, le peuple Kanak revendique la Kanaki. Troisième exemple, et je m'arrêterai là, la tribu. La tribu, ce n'est pas un concept de Kanak, c'est une réserve incessible qui appartient à l'État et qui a été octroyée au peuple autochtone. La tribu, c'est une réserve, c'est un concept juridique qui vient du droit romain, qui a été repris par le droit occidental. Mais aujourd'hui, le peuple Kanak dit que c'est le seul endroit où on peut encore faire la coutume, vivre selon nos mœurs et coutumes, et c'est le seul endroit où les Kanaks s'approprient un espace qui devient un espace coutumier, au sens juridico. Donc vous voyez, c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y a des concepts qui viennent d'Occident qui ne correspondent pas réellement à ce qu'étaient les concepts Kanak. C'est vrai que se superposent deux choses qui sont complètement distinctes. Là, j'ai pris que trois noms, mais on pourrait prendre la médecine. On pourrait prendre pas mal de choses. Hein. Il y a encore des soins thérapeutiques Kanak qui se font dans la discrétion. Un Kanak se fait hospitaliser dans un hôpital à Nouméa. Il prend la médecine occidentale, si elle ne marche pas, les Kanaks viennent discrètement, ils vont dans les toilettes, ils prennent des breuvages, des pharmacopées Kanaks. Bon, se superpose donc deux systèmes, mais en même temps, les acteurs Kanaks, il faut arrêter ce schéma tiers-mondiste, ils ne sont pas passifs, ils s'approprient des concepts qui viennent de l'extérieur, et ils les font sien. La tribu, le clan, etc., etc. Même si effectivement, ces choses prêtent ambiguïté. Par exemple, le Sénat coutumier, qui est une institution occidentale qui n'a aucune valeur dans le système des chefferies kanak. Mais enfin, il existe, il est approprié, etc. Really? Il faut bien se dire que ce qui est appelé par hiérarchie, qui est un mot grec, hein, je rappelle, hein, qui veut dire littéralement la structure des commandements selon le sacré, hieros, sacré, archi, principe, fondement. D'abord, il faut dire deux choses. Tout anthropologue sérieux vous dira que toute société est fondée sur des hiérarchies. Ce qui change, c'est les modalités des hiérarchies selon les histoires et les cultures. Ensuite, deuxième chose, il ne faut pas faire de l'anthropologie pure, sinon on fait du culturalisme, il faut faire de l'histoire. Les systèmes socio-kanaks ont changé même avant la colonisation. Il est attesté que les chefferies se sont modifiées à cause des migrations des peuples austronésiens qui ont modifié leur structure sociale en fonction des groupes. Ensuite, il faut être extrêmement précis, parce qu'effectivement, ça crée des problèmes. Le système capitaliste impose, maintenant de manière habile par des accords, une souveraineté qui date de la Révolution française, au niveau politique. Il impose des règles de démocratie, l'élection. Il impose des modes de fonctionnement de régulation entre les individus, que ce soit l'économie, le droit, le commerce, etc. En marge ou à côté, existent encore des tribus
par l'intermédiaire desquels les modes de fonctionnement ne sont pas similaires. Ce qui est appelé de ce mot valise, la coutume. C'est un mot valise parce qu'il y a différents gestes à l'intérieur. Mais en grosso modo, quand il y a un mariage, naissance, deuil ou même une décision importante, même les politiques, quand ils prennent une décision importante, normalement, ils vont faire un geste pour demander l'appui des ancêtres et l'appui de, alors on va faire simple, des clans. Donc il y a encore une existence du système hiérarchique kanak. La difficulté, c'est comment ce système hiérarchique est compatible avec le système capitaliste. Really? Par exemple, vous avez eu une série de conflits successifs dernièrement autour de la gestion d'une société de transport aérien qui est très importante puisqu'elle permet la mobilité des gens des îles Loyautés vers la Grande Terre. Le conflit autour de Aircal. Le président directeur général n'était rien d'autre que le grand chef du district de Marais, Nidosh Neslim, qui n'arrivait pas à gérer. Non pas qu'il était incapable, mais à cause de ces deux systèmes qui se chevauchent l'un l'autre, le système coutumier et le système occidental, où il s'agit, pour le système occidental, de la rentabilité. Il faut que l'avion soit rentable, donc il faut payer, il faut un prix assez fort, il faut que la gestion soit efficace. Or, se posait un problème de ces deux gestions. Et les conflits propres à la Aircal, on peut les retrouver ailleurs. Comment gérer, en fin de compte, ces deux systèmes? Comment ces deux systèmes sont possibles? Et ce n'est pas propre à l'économie, c'est propre aussi à l'école, c'est propre aussi à la santé. Il y a, moi je dirais pas, il y a des transformations de la hiérarchie. Il y a tout simplement des jeux de compatibilité entre ces deux systèmes. Je veux dire par là que, pour le bien de l'organisation sociale kanak, celle-ci a besoin d'intégrer des modèles extérieurs. Par exemple l'avion. Ce n'est pas possible maintenant, pour les gens des îles Loyautés, de vivre sans avion. C'est un mal nécessaire. Mais rien n'est pas incompatible. On peut avoir une organisation sociale et complémentaire avec les systèmes de transport contemporains. Je donne un exemple qui est un mauvais exemple, mais enfin, c'est pour faire comprendre cela. Parce que les anti-indépendantistes citent souvent le Vanuatu. Regardez, le Vanuatu, c'est la misère, donc on ne peut pas raisonnablement parler de souveraineté et d'indépendance kanak. Mais moi, je vais prendre un contre-exemple. Regardez au Japon. C'est un pays très puissant au niveau de l'économie, l'informatique, etc. Et quand vous allez au Japon, il y a encore les rites et les mœurs qui sont encore imprégnés dans le quotidien, qui sont très hiérarchiques, hein, même s'il y a des mal-êtres ou des mal-êtres. Il faut se méfier des catégories globales comme société. Tout le monde parle de Marx. Je me demande si des gens l'ont lu. Je vais citer Marx en Kanaki, en Océanie, qui n'a rien à voir avec l'Océanie. Sixième des thèses de Feuerbach sur Marx. La société n'existe pas, il n'existe qu'un ensemble des rapports sociaux qui sont conflictuels dans l'histoire. Je ne pense pas que même si ça a été écrit sous forme de manuscrit et que ça n'a pas été publié, je ne pense pas que cette proposition soit invalide pour le cas de l'Océanie. Il n'y a pas de société, c'est une fiction qu'ont inventé les philosophes et les politiciens. Dès que vous parlez de société, vous allez opposer la société kanak, je ne sais pas ce que ça veut dire, avec la société occidentale et la société civile bourgeoise. Il y a des rapports, il y a des relations, il y a des enchevêtrements, il y a des conflits. Il ne faut pas non plus idéaliser les rapports qui existent dans l'univers culturel, historique, mélanésien qu'on appelle kanak, sont tout aussi conflictuels ou tout aussi conciliants que les rapports que vous trouvez dans les sociétés dites civiles bourgeoises. Donc il faut faire attention à ces oppositions société kanak, société civile occidentale, d'autant plus que certains kanaks se complaisent dans ce type de discours. Nous, la société kanak, vous, la société occidentale. Il y a des jeux stratégiques de discours. Moi, je pense déjà qu'il faut faire très attention à l'usage des concepts et des catégories globales qui masquent les analyses sur la complexité du réel. Maintenant, je suis en train de vous dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des compatibilités et incompatibilités. Au XXIe siècle, des gens comme Raphaël Pidgiot, qui fut le PDG de la SMSP, qui est mort très jeune, à 40 ans, et avant lui, des gens comme Jean-Marie Djibaou, puis après eux, il y en aura d'autres, eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Eux, ils se disent, certes, on a une entité qui est kanak, mais nous, comment on compose avec la globalisation? Quelle est l'épingle du jeu qu'on va tirer avec ces rapports de force?
Et c'est comme ça qu'il faut effectivement voir. C'est les logiques des actions avec des systèmes qui dirigent et ordonnent ces rapports sociaux qui sont différents historiquement, différents culturellement. Parce que vous comprenez, si vous prenez des catégories globales comme la société, ça arrange l'appareil d'État qui, elle, raffole de ce type de discours. Comme par exemple des catégories de communauté. C'est très facile pour le discours technocratique. J'ai cité Marx tout à l'heure. Foucault, qui est un très grand penseur, à mon avis, qui n'est pas encore bien évalué à sa juste mesure, à cause du fait qu'il a été récupéré dans le monde anglo-américain, dans les campus universitaires, et qu'on a dû extirper de Foucault que la biopolitique. Mais Foucault ne parle pas que de ça. Il montre quelque chose qui est très important, notamment dans ses cours sur la biopolitique. Les concepts de population ont été inventés de toutes pièces dans des discours de technologie politique qui sont contemporains de la gouvernance qu'on appelle le libéralisme. On a inventé des termes techniques comme population pour mieux gérer des flux qu'on appelle population. C'est pour ça que je veux dire qu'il faut faire très attention. Quand on dit société, ça permet justement à un discours technocratique, qu'il soit de gauche ou de droite, de mieux articuler une analyse et de mieux manipuler des concepts gros comme des molaires creuses, comme dirait l'autre. Je pense qu'il y a des logiques, et ça dessert tout le monde, aussi bien le peuple kanak que le peuple calédonien, que le peuple de France. Je pense qu'il faut regarder les choses un petit peu de manière micro, dans les micro-pouvoirs, et voir les logiques des rapports de force qui existent dans les rapports sociaux. Alors maintenant, il y a autant de conflits dans le monde kanak que dans le monde non kanak. Il y a autant de violence. Il faut arrêter d'idéaliser la société kanak, enfin, si on peut appeler ça une société, enfin, si on peut, pour reprendre le terme global, comme il faut arrêter aussi de la discriminer. Il y a autant de mal-être, de rapports de force ou de rapports de gens qui surmontent ces rapports de force par des stratégies conflictuelles, par des stratégies de négociation, par des stratégies d'alliance, qu'il y a dans l'autre bord. Dans l'autre bord, c'est-à-dire le monde occidental. Donc, je ne pense pas que la meilleure façon, ce soit de comparer par des catégories globales, c'est de voir les imbrications des rapports sociaux les uns avec les autres. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut situer ça dans le temps, dans l'histoire et dans le contexte. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment fonctionne, comment s'organise la relation dans la tribu entre les membres de... Bien sûr qu'ils sont différents. De toute façon, il y a déjà des règles qui ont été instituées dans lesquelles un petit kanak qui naît dans une tribu, il n'est pas responsable de ses règles. Vous comme moi, on n'est pas responsable du nom. C'est le père, la mère qui donne le nom et en fait, les choix sont intéressants à analyser. Donc, il naît dans une tribu. La tribu, c'est un concept administratif qui a été créé entre le 19e et 20e siècle, disons. Donc, il y a une organisation administrative qui existe déjà. Il y a des règles administratives avec un conseil des anciens, un petit chef, un grand chef. Même si c'est des catégories qui ont été inventées par le système colonial, elles existent encore. Maintenant, avec l'accord de Nouméa, la tribu devient un espace coutumier, de droit coutumier, dans lequel les gens organisent eux-mêmes leurs règles de mariage, de naissance, de deuil, même d'enterrement. Parce que c'est très intéressant de voir un enterrement dans le monde kanak. Dans le monde occidental, c'est marchandé. On paye un bout de terre, on paye les pompes funèbres, on n'a même pas le droit d'enterrer soi-même. Il faut passer par des systèmes. Là, dans le monde kanak, il y a une compatibilité avec les pompes funèbres, mais en même temps, il y a des rituels qui accompagnent l'enterrement de quelqu'un. Donc il y a des règles explicites et implicites dans une tribu qui sont autorisées par le système occidental, mais qui sont propres au monde kanak. Les rituels d'ailleurs... Soyons sérieux, même si effectivement certains kanaks de Nouméa vous disent « la coutume elle est partout », il n'empêche, on en revient au premier signe identitaire dont on parlait tout à l'heure, c'est le lien à la terre. Une femme kanak qui vit longtemps à l'extérieur, à Nouméa, le jour où elle sera morte, elle sera enterrée dans un lieu. Et c'est ce rapport au lieu et à la terre qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on va enterrer cette personne, il y a des rites, des rituels et des histoires de noms, des histoires de clans, qui sont des règles internes à l'espace kanak. Le plus souvent, ça se déroule dans ce qu'on appelle la tribu. Donc il y a des règles juridico-administratives qui sont instituées par le droit civil occidental, et à l'intérieur, il y a des règles coutumières, comme des rituels de deuil, de naissance, etc. En même temps, je dirais deux choses pour compléter. Parce que ça, c'est des règles, mais il y a la vie. La vie en tribu, c'est pas comme la vie au village. Vous prenez des villages de l'intérieur, Point d'Imier, il y a un village, puis il y a des tribus.
au bord de mer et à l'intérieur. La vie qui est en tribu, même si elle est conflictuelle, même si elle est dure, il n'empêche qu'il y a des rapports de relationnel, de respect. Les gens ont une distanciation, ils se respectent. Je n'idéalise pas. Je sais très bien qu'il peut y avoir des conflits, des bagarres, quand il y a de l'alcool, quand il y a des coups de fête, etc. Ça, des ethnologues dont je tirais les noms. De toute façon, chez les ethnologues, vous avez deux styles. Ceux qui noircissent et qui ne voient que la guerre partout. Ceux qui idéalisent et qui voient que de la paix partout. Il n'y a ni paix ni guerre. Il y a un mélange des deux. Mais n'empêche que quand on vit en tribu, il y a des règles de comportementales à avoir. Je vais prendre un exemple tout bête. Une jeune fille qui vit à Nouméa, qui est kanak, elle ne va pas se balader en mini-jupe en tribu. Je sais que ça choque, mais ça ne se fait pas. C'est parce que c'est des règles de décence. Elle ne va pas s'embrasser en public avec un garçon en tribu. Il y avait une petite plaisanterie de Jean-Marie Djibéou là-dessus, qui prenait les choses avec beaucoup d'humour. Parce que si vous embrassez quelqu'un, c'est égoïsme, c'est de l'égoïsme pur. Pourquoi vous ne prêteriez pas votre femme pour que je l'embrasse? Je sais que c'est la provocation, ce qu'il dit. Mais c'est pour expliquer les mentalités, les représentations qui se font dans la tribu. Il y a des comportements qu'on n'a pas en tribu et qu'on peut avoir à Nouméa. Ou alors, on le fait discrètement, quand la nuit tombe, etc. Donc il y a tout ça dans la tribu. Il y a toute une vie interne. Je dirais qu'il y a des règles explicites et il y a des règles implicites et des savoir-vivre. Donc sur lesquels les gens manœuvrent, jonglent. Le système culturel kanak, il est un système d'interdépendance entre les ancêtres, les vivants, et ceux qui sont entre les ancêtres et les vivants, qui est très compliqué, que je ne pourrais pas décrire là parce que ce serait trop long. Mais c'est un champ d'immanence. D'ailleurs, je me demande comment il y a eu compatibilité avec les monothéismes chrétiens qui ont imposé la transcendance. C'est-à-dire un champ d'immanence. Le mort, il est mort, mais il est encore présent. Il est derrière le miroir. Donc quand il y a des systèmes d'échange, on fait des échanges entre les vivants, mais vis-à-vis aussi des ancêtres. Pour qui, je veux dire vulgairement, pour qu'ils foutent la paix. Pour qu'ils laissent tranquilles les vivants, pour les perturber pas. En même temps, quand il y a des grandes cérémonies coutumières, quelqu'un qui est ouvrier au nickel, ou qui est professeur au lycée, comme M. Poigoun par exemple, ben, il se déplace. Ou s'il ne peut pas se déplacer, il y a un de ses petits frères qui est là, et il donne sa contribution. Et sa contribution, c'est peut-être pas travailler la terre, ça peut être une partie d'argent, ou un savoir-faire, rédiger des courriers. Donc chacun a sa place. La place, elle est variée et variable selon le côtoiement du capitalisme, l'imbrication. Je prends un exemple. Vous avez souvent dans des tribus des instituteurs ou des prêtres, des pasteurs. Quand il y a la cérémonie d'igname, la redistribution d'igname, chacun a sa part. L'instituteur, il a sa part, donc il a sa place. Le prêtre ou pasteur, il a sa part, donc il a sa place. Ça veut dire quoi? C'est pas de la bassesse, c'est pas de la servilité. C'est tout simplement ce jeu d'équilibre, de tresser ou de tisser des relations entre un système qui a ses règles et un autre système. Et le tressage et le tissage de relations, c'est situer la place de chacun dans un système plastique et mobile. Chacun a sa place. Un des atouts du système kanak, et c'est le seul éloge que je ferai de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion. Et c'est le reproche d'ailleurs que ce système fait à la démocratie. La démocratie, elle écrase. La démocratie parlementaire, elle écrase. C'est, je te chope le plus grand nombre de voix, et donc je t'écrase après au niveau parlementaire. Même si on a créé ce concept de gouvernementalité collégiale avec le système de démocratie consociative. Il n'empêche que vous n'existez que si vous avez un volume de voix. Dans le monde kanak, c'est différent. C'est ce qui s'appelle le consensus, mais pas le consensus mou. On prend le temps, chaque clan, chaque personne a sa place. Même si elle n'a rien à dire, on lui accorde une place. On ne disqualifie pas. Alors, bien évidemment, ce n'est pas compatible avec la rentabilité du système capitaliste, la vitesse, le temps, l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est qu'il y a des équilibres. C'est pour ça que c'est très conflictuel dans le monde kanak. Parce que quand c'est conflictuel, c'est qu'une chose a été mal faite ou mal dite. Donc tresser des relations entre ce système-là et l'autre, dans le monde kanak, ça veut dire chacun a sa place à la condition qu'il respecte la place de l'autre. C'est pour ça que ça existe des chefferies. Les chefferies, c'est ça. Hein. C'est créer des équilibres dans les rapports, dans l'organigramme
de la société canadienne. Maintenant, ce n'est pas incompatible avec l'autre système. Puisque je vous ai donné des exemples, si les choses sont bien faites, il doit y avoir un échange. Je vais prendre un exemple plus large. Ici, on a parlé du peuple kanak, mais il ne faut pas oublier le peuplement des autres peuples, parce que ce sont des peuples. Hein. Les Vietnamiens, c'est un peuple. Il y a eu des Algériens aussi, c'était un peuple, qui ont été victimes de l'histoire. Mais eux, ils ne pensent pas à l'exclusion avec le peuple kanak. Ils disent, nous, on sait faire des choses. Vous en savez faire. C'est ça, le tressage. C'est ça, ce jeu d'équilibre. Il y a un exemple frappant. André Dang, c'est un descendant de Cham Dang, un Vietnamien. Il a un savoir-faire qui est le commerce et ses relations dans l'Asie. Eh bien, il l'échange. Il l'échange bien, d'ailleurs. Il ne faut pas non plus idéaliser la chose. Il fait ça pour le business. Hein, c'est un PDG. Il fait ça pour l'argent. Mais en même temps, il fait ça aussi parce qu'il est né à Kumak. Et il travaille avec le peuple kanak. Le peuple kanak est moins habile dans le système du commerce capitaliste et des réseaux en Corée, en Chine, etc. Donc il emploie un calédonien d'origine vietnamienne et il y a un système d'échange. Ce que je dis pour les Vietnamiens, ça vaut aussi pour les autres communautés. La communauté wallisienne, elle a la réputation, c'est pour ça qu'on l'a fait venir, que l'administration coloniale l'a fait venir ici, d'être de bons maçons, des emplois de force. Elle joue un rôle dans l'édifice des échanges multilatéraux entre le peuple kanak et les autres peuples, etc. etc. Donc il n'y a pas incompatibilité. Ceux qui veulent voir des incompatibilités, c'est ceux qui ont intérêt à les voir. Et c'est toujours pareil, c'est les puissants qui placent des capitaux à l'extérieur et qui préfèrent effectivement ce type de logique qu'une autre logique parce que c'est dans leur intérêt. Moi je pense que le tressage des rapports sociaux kanak avec les autres rapports, il est possible. D'ailleurs il est possible de... Tant et si bien, vous avez bien vu quand vous êtes baladé, que quand même les gens arrivent à discuter, à parler, à échanger entre eux, même si c'est encore compartimenté et cloisonné. Le bien-vivre dans le monde kanak, c'est être bien dans sa peau, être bien dans son corps, et même par extension être bien dans sa case. C'est-à-dire que le lien au vivant, le lien aux ancêtres, le lien à la terre soit équilibré. Le mot kanak pour dire santé, des mots dans la langue kanak, n'existe pas. On parle d'équilibre. C'est pour ça que vous trouvez dans le français parlé d'ici des incidences des langues kanak sur le français. Quand on dit quelqu'un ça va, il est bon ou quoi? Il est bon, ça veut dire c'est l'équilibre. Bien vivre, c'est être en équilibre. C'est être en bon rapport avec les enfants, les femmes, le lieu, les vivants, les morts, le cycle d'Inyam, une espèce d'harmonie. Une forme d'harmonie. Bien vivre, c'est en harmonie avec tout ça. Et quand il y a des conflits, quand un enfant, par exemple, ne marche pas à l'école ou est malade, le symptôme, c'est qu'il s'est passé quelque chose chez les ancêtres. Il y a un déséquilibre. Et donc, il faut rectifier le rapport pour être en bon rapport avec. Et je pense que le bien vivre dans le Pacifique, c'est habiter le temps, prendre son temps, avoir des bons rapports avec la terre, avec les vivants, avec les ancêtres, avec les gens qui nous côtoient et avec son propre corps. Il y a une écrivaine d'Ewe Gorodé que j'avais interrogée qui dit « Moi, je ne peux écrire que si je suis bien dans mon corps, si je suis en équilibre avec les où on est doué, les esprits. Je n'écris pas quand je suis mal. » Donc être bien vivre, c'est être en équilibre, être en harmonie dans la case. Et la case, c'est pas simplement l'habitat, c'est l'habitat traditionnel kanak, mais la case, c'est tout l'environnement, l'enveloppe. C'est ça, bien vivre. Alors, le bien vivre, il en prend quand même un sacré coup. Quand on arrive ici, c'est un pays magnifique. Il a été surnommé le paradis... L'île du paradis. Enfin, le paradis n'existe pas sur Terre. Ça se saurait. Enfin, c'est vrai qu'il y a 360 plantes endémiques, le climat est bien. Enfin, j'ai toujours une moyenne amplitude de 25 degrés. C'est vrai que c'est un décor, le lagon, la faune, etc. Et c'est magnifique. Bon. C'est vrai que les Kanaks ont un rapport au temps, qu'il y a un temps où on prend son temps. Mais quand même, ça change. Il y a
les phénomènes de stress que connaissent les sociétés occidentales commencent à venir ici. Je vais vous dire une chose, parce que je suis un peu fâché avec tous ces experts qui viennent ici, qui font des analyses qui me semblent superficielles. Le mal-être qu'on trouve ici, c'est des maladies cardiovasculaires, des maladies d'obésité qui viennent petit à petit. Et je ne pense pas que ça soit naturel. C'est quelque chose qui vient de cette confrontation dont on parlait tout à l'heure, d'un système puissant et dominant qui impose son temps, ses règles, sa façon de faire, et qui déstabilise un petit peu le savoir-être, le savoir-faire qui existait dans la civilisation kanak. Donc il ne faut pas idéaliser, la civilisation kanak subit des mutations. Deuxième point sur le bien-être, le bien-vivre. Certes, il y a eu des acteurs politiques très courageux, et je pense que c'est le seul, comme Jean-Marie Djibaou, c'est le seul. Avant, j'hésitais à dire, maintenant je peux le dire. C'est le seul grand politique du Pacifique qui essayait de concilier le système capitaliste avec le système culturel kanak. C'est-à-dire l'art de vivre kanak avec les modèles exogènes qui viennent de l'extérieur. C'est le seul. Et il appelait ça le bien-vivre. Parce qu'en fin de compte, la finalité du politique, du rapport du politique, c'est que les gens vivent bien. On ne fait pas de la politique simplement pour faire de la politique. On fait de la politique pour que les rapports entre les êtres humains soient les moins pires. Donc ça veut dire les loisirs, les infrastructures, le sport, etc. Il y a des très grandes difficultés, si vous avez pu aller à l'intérieur de la Grande Terre, même dans les îles Loyauté, des inégalités structurelles qui existent partout, mais ici qui créent des problèmes. Quand vous voyez des gens qui n'ont pas de rapport à l'eau alors qu'il y a une usine qui est en train de se construire, vous me direz, mais alors à quoi ça sert de construire une usine au nom des plus-values de la richesse si des gens ne peuvent pas avoir accès aux adductions d'eau, alors qu'il y a de l'eau ici. Ça, c'est des petits problèmes comme ça. Je ne veux pas faire de la provocation gratuite, mais il ne faut pas se masquer les yeux. Les logiques complexes du réel font que le bien-être qui existait ici, il en prend un sacré coup. Il en prend un sacré coup. Deuxième exemple. Si vous prenez votre véhicule, vous baladez en scooter, à juste titre, depuis 10-15 ans ici, la ville de Nouméa est en train de vivre des embouteillages. Et vous regardez, et y compris moi-même, quand je vais au travail, je m'amuse à regarder, il y a une personne par véhicule, avec des véhicules de luxe, hein, des 4x4, etc. Ça veut dire quoi? Si on fait une analyse un petit peu en profondeur, ça veut dire, un, qu'on arrête de dire que les gens conduisent mal. Quand vous regardez les infrastructures routières par rapport au marché automobile, des grosses voitures de luxe, des gros 4x4 de luxe, pour une petite des routes qui sont dignes des départementales qu'on trouve dans les puissances occidentales, il y a lieu de se poser des questions sur la distorsion entre les infrastructures routières et le marché du capital que se font les gros monopoles de ceux qui gèrent toutes les grandes marques ici. On n'en parle jamais, ça, ni dans les médias, ni dans les analyses scientifiques. On parle toujours des accidents de la route, etc. Mais il y a une disproportion entre les infrastructures routières et ce gros marché de l'automobile où les gens se font des plus-values monstres. Deuxième chose que je voulais dire à propos de ça, si vous regardez le mal-être, ça y est, il atteint pleinement la Nouvelle-Calédonie, Nouméa. Nouméa, c'est pire que Paris, c'est comme Rungis. Quand vous circulez, il y a des problèmes de fluidité. Il n'y a pas de transport collectif. Alors qu'on arrête de dire que c'est simplement construire des ronds-points, il y a une politique coloniale, néocoloniale, des mairies, de 1946 jusqu'à maintenant, où il n'y a jamais eu refus de penser le social, le rapport social. Vous avez des notables calédoniens qui s'accaparent de la mairie, du pouvoir de la mairie, et qui n'en ont rien à faire des rapports collectifs. Ils ne prennent pas le bus, eux. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un transport collectif. Ils vivent dans des villas. Ils ont des placements à l'extérieur. Ils font semblant de s'intéresser à la commune en faisant des jeudis de Lanzvata, enfin des petites bricoles. Mais la véritable politique de fond dans les infrastructures routières sportives, on y parle que dès lors où il y a, par exemple, les Jeux sportifs, les Jeux du Pacifique. Là, on va créer... Imaginez, je ne sais pas si M. Pouébou vous en a parlé, que le campus universitaire ici, il n'y a pas de lit suffisant, il n'y a pas de cantine pour les étudiants. On construit simplement les cantines parce qu'il va y avoir les athlètes du Jeux du Pacifique. Donc je veux dire que le mal-être, il est produit aussi par un laxisme de certains politiques qui préfèrent faire de l'intérêt et qui parlent au nom de la France, de l'amour de la France, mais qui, dans la réalité, ne font pas de véritable gouvernance des rapports sociaux. Ça date de 1946 et jusqu'en 2010.
La mairie de Nouméa n'a jamais eu de politique sociale. Ce que j'entends par politique sociale, créer des infrastructures, se soucier justement des mutations de la société, se dire qu'effectivement il y a 100 000 habitants sur Nouméa, qui est pratiquement la moitié de la population, donc comment on gère tout ça, etc. C'est simplement tout d'un coup là que ces problématiques se posent. Ce qui se pose à Nouméa va se poser à Koné, avec l'usine. Et il y a de fortes probabilités pour se soucier effectivement du mal-être. Vous savez, il faut arrêter d'idéaliser les tribus, même des gens sur des tribus sur la côte est, souffrent de maladies bénignes, des tensions. Ce n'est pas des maladies naturelles, ça. C'est lié à un mal-être, à une malnutrition, à un mal vivre. Il y a, je ne sais plus qui disait en plaisantant, il y a une vingtaine d'années, il y a des poissons tout autour de nous, dans le lagon, et on mange des sardines qui sont fabriquées dans les boîtes de conserve du Maroc. Mais ça, c'est lié à quoi? Au marché de la distribution. Il y a très peu, il y a eu des tentatives du temps des régions Pisani. Comment on articule le mode économique, le modus vivendi et le mode économique kanak avec le capitalisme? Comment on articule? Comment on fait? On va prendre le tressage des relations qui créent du bien-vivre. Comment, en fin de compte, pourquoi aller vite? Moi, je suis enseignant des instituteurs. Je vous garantis que ça m'inquiète. Dès la maternelle, ça y est, le système va aller vite. Il faut que dès la sortie de la maternelle, que l'enfant sache lire et écrire. C'est ça, et ce n'est pas l'objectif de l'école. Pas la maternelle, c'est la socialisation, le bien-être. Donc là, je ne suis pas convaincu qu'il existait des valeurs dans le Pacifique, le respect, le temps, prendre son temps, accueillir l'autre, le respecter. Mais ces valeurs sont en train de prendre un grand coup avec les mutations et les accélérations de ce qu'on appelle la globalisation. Il faut revenir à une valeur fondamentale qui existe dans le système kanak, qui est le respect. Mais pas le respect au sens de la morale laïque républicaine, pour respecter les règles, etc. Non, le respect au sens d'écouter la culture de l'autre. Et je dirais qu'en Nouvelle-Calédonie, comme il y a plusieurs cultures, plusieurs pays, plusieurs peuples, pardon, le premier peuple, bien sûr, la légitimité politique historique, c'est le peuple kanak. Ça va de soi, ou ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Mais c'est aussi les autres peuples. Qu'est-ce qu'ils peuvent échanger, apporter? Et on ne pourra pas construire économiquement, juridiquement, scolairement, financièrement une nation ou un pays si, d'une part, les gens ne se sentent pas souverains chez eux. C'est l'idée qu'on disait tout à l'heure, être bien. Parce que si les gens sont mal, ça crée de la haine. Si les gens ne se sentent pas souverains chez eux, pour reprendre l'expression de Jiwoo dans les années 80, le Kanak est comme un émigré dans son propre pays. Si d'une part, les gens ne se sentent pas souverains chez eux, et si d'autre part, il n'y a pas d'inter-relation ou d'inter, j'ai inventé le mot, échange entre les différents systèmes culturels. Et ça, pour ce faire, il faut apprendre à écouter l'autre. Les gens parlent tous d'écouter le destin commun, ils ne s'écoutent pas. Ils se font tata. Ils se font tata. Mais dès que vous arrêtez à quelqu'un et discuter, il n'y a pas. Il n'y a plus de communication. Pourquoi? C'est l'héritage colonial. Tout à l'heure, je disais que la colonisation a taillé sur mesure des espaces. Ici, c'est des espaces cloisonnés, segmentés. Les villages de la côte ouest, qui ont été créés au XIXe siècle, les tribus. Et ce qui fait qu'il y a encore intériorisé chez les habitants des formes de barrières mentales. Donc la plus grande difficulté, c'est pas l'économie, c'est pas vrai. C'est pas la politique. La plus grande difficulté, c'est le respect. L'écoute de l'autre. La véritable écoute. Pas le faire semblant d'écouter comme les psychanalystes qui mettent leurs oreilles en location. Et c'est pas un hasard d'ailleurs s'il y a des grands politiques d'ici qui a créé l'accord de Nouméa. Alain Christophe, il utilise le terme de psychanalyse sociale. Vous avez sans arrêt des hauts fonctionnaires qui font semblant d'écouter, qui écoutent, puis après qui médiatisent. Mais même les gens d'ici, il faudrait qu'ils apprennent à véritablement échanger avec eux, mais non pas dans des espaces artificiels. Il y aura le seul pari politique sur l'intelligence, c'est que les peuples qui composent
la nouvelle Calédonie, apprennent à véritablement s'écouter, y compris dans le conflit. Tout le monde a peur du conflit. Le conflit, ça peut être une forme de socialisation dans les rapports de force dans le travail. Bon, ça, ça nécessite de la durée. Mais il ne faut pas jouer la carte de la logique d'État, il faut laisser du temps au temps. J'entends par durée le fait, ben justement, pour tisser, il faut prendre du temps. Et pour bien tisser, il faut de la patience. On ne tisse pas n'importe comment. Je pense que déjà, la part, elle appartient aux gens d'ici. Il faut qu'ils apprennent à écouter, tout simplement. À écouter, c'est-à-dire, des fois, savoir se taire. C'est pas ce que je fais, là, je parle beaucoup. Mais des fois, savoir se taire. Savoir regarder. Savoir échanger. Ça, c'est... Les cartes sont entre les mains des gens d'ici. Il faudra cesser de dire, c'est la faute à la France, c'est la faute à la mondialisation. Les cartes appartiennent aux gens d'ici. Ils en font ce qu'ils veulent de ce destin. Really? Ça valait il y a 20 ans. Quand Djibaou s'est battu pour le nom de son premier mouvement politique, c'est pas l'Union calédonienne. Hein. Quand il a pris la mairie de Yengen, le mot, c'est un mot de la langue, une des quatre langues, le Fuai, qui veut dire Maha. Maha, c'est rise, relever la tête. Ça valait 20-30 ans en arrière, où il y avait un complexe d'infériorité, le Kanak avait peur d'eux. On est en 2010. Djibaou n'a même pas connu ce pourquoi il s'est battu, les provinces, les accords de Matignon, il est tombé avant. Il y a des institutions, il y a des outils. Donc, je pense que si un Kanak résonne encore comme ça, je pense, ça n'engage que moi, c'est un jeu stratégique de revendication au niveau d'une place politique. Je tiens ce discours-là devant l'autre pour calculer quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une idée que Foucault reprenait dans ses derniers cours. Bon, attribuons à César ce qui est à César, c'est Foucault qui nous a fait relire les Grecs. La véritable souveraineté, ce n'est pas les théories contractuelles, la véritable souveraineté, c'est quand les gens se sentent souverains. Si un Kanak me dit encore « je suis complexé, je n'ose pas faire », etc., il n'est pas libre. Il y a un problème. Il n'est pas émancipé. Et de la même façon, hein, parce que de l'autre côté, c'est pareil aussi. Hein. Le monde caldoche dit « vous les Français, vous nous avez colonisés ». Je ne vais pas citer de nom, parce que j'ai vu que dans les entretiens, vous en avez mis quelques-uns. Donc je ne vais pas citer de nom. Mais c'est le complexe, on passe du complexe d'infériorité au complexe de supériorité. Il faut sortir un petit peu de ces barrières mentales. Je pense que des gens ont œuvré, ont travaillé. Le peuple kanak, hein, certains ont travaillé, ont payé de leur vie. Pour sortir justement de ce type de mentalité, peut-être tout le temps la tête baissée, ou l'inverse. L'inverse est vrai, hein, maintenant, il y en a qui ont la grosse tête, comme on dit, l'expression populaire, avoir la grosse tête. Ou l'inverse. Il faut sortir de ces dangers-là, de ces représentations qui sont malsaines. Et le pari, justement, aujourd'hui, il est là. C'est difficile à dire. Parce qu'à chaque fois qu'on tient un discours, c'est soit un discours politique ou économique. Le discours que j'essaye de tenir, moi, c'est pas un discours qui est refusé par l'économie et la politique. Il faut vivre dans le monde tel qu'on se sent. S'il y a encore des Kanaks au XXIe siècle qui disent « on est colonisé, un complexe d'infériorité », je me dis que tout le travail qui a été fait par les vieux qui sont tombés avant, il est nul et non avenu. Ou alors, c'est un discours stéréotypé dans lequel on se conforte. Parce que c'est pas béni, hein, d'être tout le temps dans ce discours-là. Dominant, dominé, etc. Aujourd'hui, la possibilité est donnée, je dis bien, elle est donnée. Enfin, elle est donnée, non, elle a été attribuée après une lutte. Mais la possibilité se pose pour sortir justement de ce discours stéréotypé, colonisé, colon. Il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir comment? Déjà avec un état d'esprit. Moi, je ne pense pas réellement que c'est en gavant les populations qu'on va les aider à faire quelque chose. Moi, je suis convaincu que ça fonctionne déjà dans le ventre, dans les tripes, dans la tête. Et que la décision, elle appartient aux gens.
Si les gens préfèrent effectivement un confort ou un mal confort, hein, parce que les deux existent aussi. Hein. Moi, si j'ai une admiration pour quelqu'un comme Jean-Marie Dubaou, c'est le seul à tenir des discours durs comme ça, quand il y avait les mouvements de lutte. Il a dit, l'indépendance, ça commence aussi avec les gamins de l'école maternelle. Vous, les parents, quand vous envoyez vos enfants à l'école maternelle, pour leur dire, vous allez à l'école, c'est pour ramener quelque chose. Et en plus, il reprend un dicton kanak. Tu vas d'extérieur pour ramener de l'eau et du feu. Il faut avoir ce dispositif dans la tête. Ça ne veut pas dire être militant à 100%, mais ça veut dire se sentir libre. Comment voulez-vous vivre un rapport sain avec quelqu'un si ce quelqu'un se sent complexé ou en mal-être? C'est pas possible. Et on en revient à la question que vous disiez. Le véritable bien-être, c'est quand les gens se sentent bien dans leur peau. Je vais finir par une petite description. J'étais prof avant au centre de Touhou, 89-92. C'était des gens qui avaient... Certains étaient plus âgés que moi, c'était Kanak, quelques caldoches. Et j'avais été au Vanuatu en 89. Puis après, j'ai organisé un voyage. Enfin, j'ai, avec d'autres collègues, nous avons organisé un voyage au Vanuatu. Les stagiaires Kanak, au Vanuatu. J'y suis allé par curiosité, pour voir le contraste. Ben, la déduction que j'en fais, les Kanaks sont plus riches. La paye d'un instituteur, c'était 10 fois la paye d'un instituteur là-bas, 10 fois, 15 fois même. Un conseiller pédagogique là-bas gagnait, à l'époque, à 89, 90, 10, 15 000 vatous, 10, 15 000 CFP, pour convertir en euros, en dollars. Ici, 300 000. Un écart de salaire. Mais, vous voulez mon point de vue? Je trouvais que ni Vanuatu, ils étaient plus à l'aise. À Nivanoité, on peut discuter dans la rue, même si des ministres, il y a un rapport sain. Pourquoi vous vous êtes coincé dans des images, etc. En aparté, hein, parce qu'ils ne le diront pas ouvertement. Il m'a dit, mais Amine, nous, on a été colonisés. Voilà la réponse. Qu'est-ce qui vaut mieux? La liberté? Ou être riche et puis avoir des complexes ou des stéréotypes dans la tête? Ça, moi, c'est pas à moi de répondre. Je vais être horriblement franc. Nous vivons dans une prison mondiale. Maintenant, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, Platon l'a dit, Kafka l'a dit, on vit dans une prison. Maintenant, il appartient de savoir comment on vit, comment s'y échapper. Voilà. Elle est...